Coucou, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est l'heure de l'histoire du soir. Et ce soir, une histoire que j'adore, qui est un classique, mais je ne m'en lasse jamais, c'est Le Petit Soldat de Plomb, aux éditions du Carrousel, illustration de Oda Tarouf. C'est parti. Le Petit Soldat de Plomb. Il était une fois un petit garçon qui avait beaucoup de jouets. Il les rangeait ensemble dans le salon des jouets. Et la nuit, ils parlaient entre eux, même s'ils ne pouvaient pas bouger. C'est ainsi qu'entre un petit soldat de plomb et une ballerine, elle aussi en métal, naquit une grande amitié. Le petit soldat avait perdu une jambe au cours d'une bataille, mais cela n'empêcha pas leur amitié de se transformer en amour au fil des jours. Regardez comme ils sont beaux. Ce sont les jouets qui, la nuit, parlent entre eux. Et la ballerine est tombée amoureuse, en fait, du petit soldat de plomb, même s'il a perdu une jambe pendant cette bataille. Jusqu'au jour où tous deux furent séparés. Le petit garçon prit le petit soldat de plomb et le posa sur le rebord de la fenêtre. « Reste là à monter la garde afin qu'aucun ennemi n'entre. Même si tu n'as qu'une jambe, tu peux être en vedette. » Puis il disposa les autres petits soldats de plomb sur la table et commença à jouer. Regardez, vous voyez, il a posé le petit soldat sur le rebord de la fenêtre. Un gros nuage couvrit le soleil et un courant d'air froid entra par la fenêtre. Le petit garçon courut la fermer sans se souvenir du petit soldat qui tomba dans le vide. Regardez, il s'en souvenait plus, il a fait tomber son petit soldat. Il tomba la tête la première, si bien que la baïonnette de son fusil s'enfonça dans la terre. Il commençait à pleuvoir et deux enfants qui passaient le virent. « Bon, dommage qu'il n'ait qu'une jambe, sinon je l'aurais bien emmené à la maison, » dit l'un. Et l'autre le ramassa et le glissa dans sa poche. « Oh, prenons-le quand même, il pourra toujours nous servir. » Regardez, vous voyez, il a la baïonnette plantée dans le sol et les deux enfants qui arrivent, le premier qui n'en veut pas, et le deuxième qui va quand même le garder pour lui. Il continuait de pleuvoir à verse. C'était une véritable inondation et les rues se transformèrent rapidement en de véritables torrents. Les deux enfants virent soudain une grosse barque en papier qui glissait sur l'eau. « Tiens, eh bien mettons le petit soldat dedans, comme ça il deviendra un marin !» dit celui qui l'avait ramassé. C'est ainsi que le petit soldat de plomb devint navigateur. Regardez, vous voyez ? Ils ont trouvé un petit bateau en papier et ils ont donc mis le petit soldat dedans qui part vers une expédition, mais on ne sait pas où et comment. Les tourbillons de la pluie incessante entraînèrent la petite barque dans les égouts. Et dans le canal souterrain, le niveau de l'eau boueuse montait et les rats d'égout en grinçant des dents virent passer l'insolite matelot sur sa barque en papier. Mais il en fallait bien plus hein, pour effrayer le petit soldat qui avait couru des dangers bien plus grands au cours de ses batailles. Regardez, il passe, puis les rats, ils le menacent, mais lui, il s'en fiche, parce que il est indifférent, il en a vu d'autres. L'eau des égouts se déversait dans un fleuve. La petite barque, devenue complètement molle à cause de l'eau, arriva au milieu des hautes vagues. Le petit soldat comprit que sa fin était proche, car l'eau s'infiltrait maintenant à travers le papier trempé. Regardez, elles sont de plus en plus hautes les vagues. Alors il commence à avoir peur, le petit soldat. Après le naufrage, le petit soldat coula dans les eaux profondes. Mille pensées lui traversèrent la tête, dont une surtout qui l'angoissa. « Je ne reverrai jamais plus ma douce ballerine. » Mais une bouche immense arriva qui l'avala, ce qui changea à nouveau le cours de son destin. Oh, une énorme bouche d'un énorme poisson qui l'avala et qui n'en fit qu'une bouchée. La chance voulut que le gros poisson qui avait avalé le petit soldat fut ensuite pêché et amené au marché. Et là, le hasard guida la mère de l'enfant auquel avait appartenu le petit soldat devant l'étal sur lequel était posé le gros poisson. « Celui-ci sera parfait pour mes invités de ce soir, » dit la maman.
Le poisson se retrouva donc dans sa cuisine et quand elle l'ouvrit pour le nettoyer, elle fut stupéfaite. « Mais c'est le petit soldat de mon fils » dit-elle. « Regardez !» Elle l'a retrouvé quand elle a découpé, du coup, son poisson. Revenu du marché, elle a retrouvé le petit soldat et elle l'a reconnu. « C'est bien lui !» dit plus tard le petit garçon, heureux de reconnaître son petit soldat à la jambe coupée. « Mais qui sait comment il s'est retrouvé dans le ventre de ce poisson ? Oh, le pauvre ! Qui sait ce qu'il a dû subir depuis qu'il est tombé de la fenêtre ?» Et il le déposa sur le manteau de la cheminée, là où il avait installé depuis longtemps la ballerine. « Regardez, il a retrouvé sa belle ballerine. Il est tout content, et elle aussi. » Un destin miraculeux avait de nouveau réuni les deux amoureux.